Le paradis des radis perdus. Tel est le titre très poétique de la toute première exposition de photographie de Frédéric Lardemeur, organisée à l'Office culturel par le collectif Incarnat. Frédéric Lardemeur se promenait en ville quand sur un trottoir elle a trouvé un radis. Cette découverte a été très déconcertante et elle s'est dit, tiens, un radis perdu. Son imaginaire s'est alors mis en marche. Elle a vu ce radis comme un poisson hors de l'eau qui allait mourir sur le trottoir et peut-être rejoindre le paradis des radis perdus, qui serait un lieu imaginaire, un monde parallèle peuplé de créatures fantastiques. Frédéric Lardemeur n'est pas un photographe, mais un poète des temps modernes. En fait, c'est un bestiaire fantastique, c'est une galerie de portraits fantastiques. Ouais. Et le point de départ de ça, c'est que tu as eu un délire ou Non, c'est parce que j'aime la photo qui fait rêver. Donc ça correspond à ce que j'ai un peu en tête, à l'univers que j'aime, que ce soit dans la littérature ou dans les films. Donc voilà. Et c'est pas fort que tu Oui. Ah, ton premier Arras. Oui. Et là, nous rentrons dans un autre univers, le mythe d'une antiquité, d'un paradis perdu. On s'interroge. L'Égypte de cette très belle présentation, mais une interrogation, où sont les radis? Voilà, Frédéric Lardemeur. Frédéric fait partie de ces photographes originaux qui utilisent des appareils bizarres, permettant d'accéder à des mondes inaccessibles à nous autres photographes plus ou moins normaux. Frédéric utilise elle aussi un appareil dont je ne veux pas connaître le nom, mais qui entre ses mains devient une espèce de baguette magique, lui permettant de voyager dans des mondes parallèles dont elle veut nous faire croire qu'elle ne maîtrise rien. C'est également une sensation nouvelle pour moi d'être aujourd'hui l'artiste qui expose, alors qu'habituellement je viens en tant que spectatrice. J'avais déjà participé à quelques expositions collectives en présentant des photos de commande. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement fière de vous montrer une œuvre beaucoup plus personnelle, une série que je porte en moi depuis quelque temps déjà. Je suis très heureuse aussi de vous dévoiler en avant-première un livre que mon compagnon a réalisé et qui met en valeur la série. Fantastique, magique, mythique. L'univers de Frédéric Lardemeur est un univers auquel on ne reste pas indifférent, à consommer sans modération.